lo e kukule lombe mwana mama lombe abetata abetata. Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo cuisine. Oui, je suis une passionnée de cuisine et j'adore faire la cuisine. La pâtisserie, c'est mon truc. J'en viens donc, j'ai décidé de vous faire découvrir mes petits secrets de cuisine. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo, je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment je fais mes cupcakes. Pour faire ça, on aura besoin soit d'un robot ou juste, comment on appelle ça, d'un fouet. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai un robot et j'ai mes moules à cake. Hormis ça, attendez, voilà, donc moule à cake et des petites moules où je veux mettre ma pâte pour ne pas qu'elle colle. Voilà, on essaye de bien manger. Je vous montre ça de suite. Si aussi toi qui me regardes, t'es passionné par la cuisine et toi qui me regardes, t'aimes bien faire des cupcakes, mais tu sais pas comment faire, alors cette vidéo, c'est pour toi. Reste là. Et si tu n'es pas abonné, bah, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, abonne-toi. Active la cloche de notification. Comme ça, tu reçois les notifications quand Queenelle poste une nouvelle vidéo. Ici, c'est chez toi. Ici, c'est chez nous. Ici, tout le monde est chez soi. Donc, voilà. Ici, j'ai mis où? Okay. Nous aurons besoin du beurre. On aura besoin du beurre. De la mascarpone et de la crème fleurette. C'est une crème entière fluide. Et encore, on aura besoin de 3 œufs. Voilà. Donc, c'est pas encore fini. On aura besoin du sucre, la levure chimique et ensuite la farine. Et là, c'est... Et là, on a du colorant en gel pour faire du topping. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je disais, pour cette recette, on aura besoin... Là, j'ai mon robot. Il y a le robot qui est là. Donc, j'aurai besoin de la mascarpone. La mascarpone, les œufs, la crème fleurette. La farine, du beurre, du sucre, de la levure chimique et surtout de l'arôme, mettez n'importe quel arôme que vous voulez. Donc pour commencer ma recette, là je mets du beurre, je mets 150 g de beurre. J'ouvre mon beurre, je commence à repartir allumer. J'ai posé le bol avant, comme ça la balance ne va pas tenir en compte le poids du récipient. Donc là, je vais mettre le beurre jusqu'à avoir 150 g de beurre. Ah là là. Hop. Tac. 87. Et là, c'est bon. Là, j'ai 160. Donc ça dépasse un peu. Donc en gros, le nombre de grammes de beurre doit être, on doit mettre la même chose au nombre, pour le sucre. Donc là, on a 167 grammes de beurre. Je vais mettre 167 grammes de sucre aussi. Je commence par verser mon beurre dans mon robot. Et je vais juste descendre. Je vais mixer le beurre, rien que le beurre. Attendez, je veux bien le mettre à l'intérieur, comme ça.
alors, comme sucre, moi j'ai mis le sucre roux. Vous avez le choix, vous pouvez mettre le sucre blanc, peu importe ce que vous voulez. Donc c'est comme je vous ai dit, j'avais mis 167 g de beurre, j'ai mis 167 g de sucre. Ça, en gros, le sucre et le beurre. Et ensuite, je vais mettre les 3 œufs. Les 3 œufs, donc il y a ça. Et ces 3 œufs-là, je vais les mettre à l'intérieur. Donc là, nous allons mettre 192 g de farine. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va venir mixer encore. Donc là, je vais mettre mon arôme vanille. Vous mettez ce que vous voulez, la quantité que vous voulez. Mais vu que moi j'aime bien quand c'est bien, on sent vraiment la robe. Donc en gros, je vais mettre une quantité vraiment. Voilà. Moi j'aime trop quand ça sent bon. Et mettre en tout cas. Un peu de lait. Donc là, moi, je vais mettre 2 cuillères. Et là, je mets la levure chimique. Ne mettez pas un sachet par rapport à ce que je vous ai montré. Mettez limite. Vous voyez la quantité que j'ai mis. Voilà à quoi peut ressembler votre pâte. Ok. Donc. Là, je vais aller mettre mes moules dans le four.
Là, on va faire notre topping. Donc, pour le topping, on aura besoin de du sucre à glace, la mascarpone, la crème fraîche et du colorant. Là, c'est le colorant liquide, là, c'est le colorant en gel. Donc là, j'ai la couleur rouge, bleu, vert, jaune. Et je pense que je vais mettre juste la couleur rouge, mais un tout petit peu pour que ça fasse la couleur rouge. Donc là, pour commencer notre topping, je vais commencer par renverser la mascarpone. Là, on a 500 g de mascarpone. Donc, je vais mettre la moitié, donc 250 g. Ok. Là, je prends la moitié. Là, on a un topping bien, comme j'aime. Voilà, je vais juste mettre le sucre. Donc là, nous allons mettre le colorant de couleur rouge. Mais je ne veux pas en mettre assez pour qu'on ait la couleur rose. Voilà. Je pose ça là. Je mélange bien mon glaçage. Voilà pour qu'on ait une couleur rose. Oh.